Ensuite de quoi, c'est également la défense qui prendra le relais. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Abakar, Oui. est-ce que vous m'entendez? Je vous entends difficilement. Pourquoi je demande la traduction là? J'ai mal aux oreilles. Vous voulez une traduction? Oui. En quoi? En quelle langue? Toutes les deux langues. Ce qu'il veut. Mais donc, en réalité, vous demandez à ce qu'on parle beaucoup plus fort. Oui. Oui, madame. Pour mieux entendre la. Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas une traduction en tant que telle qu'il demande. Il demande à ce que quelqu'un Soit la puisse police soufflée. lui répéter les questions. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire. C'est nécessaire, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été entrevu. Bon, de toute façon, on va essayer de commencer avec les conseils des parties civiles qui vont essayer, tant que faire se peut, de. De vous poser les questions à haute et intelligible voix afin que vous puissiez comprendre et pouvoir répondre aux dites questions. Donc, le témoin est aux avocats de la partie civile pour leurs questions. Bonjour, Monsieur Abakar. Oui. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais juste, jeudi, quand nous avons, avant de nous séparer, vous avez vu votre image qui était projetée. Oui. Vous vous êtes reconnu dans ce film-là. Qu'est-ce qui vous a tant amoché? Qu'est-ce qui s'est passé réellement en prison? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des difficultés. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la mort. La mort dans les trous est gratuite. Gratuite. Comme le poulet, le chèvre. On ne considère pas ceux qui meurent comme des personnes. Parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant tout, on ne te nourrit pas. Même l'eau, là, tu ne trouves pas boire, le manger, l'eau. Bien les insectes. Et puis, l'entassement. Et puis, la soif. Ça, c'est. Moralement, physiquement, réellement, je n'étais pas torturé, mais les frères qui sont avec moi sont torturés. Dans la nuit, à minuit, ils viennent. Ils appellent deux, trois noms, ils l'amènent chez eux, ils les tapent, ils l'attachent, ce qu'ils veulent. Excusez-moi, monsieur Abakar, je Oui. voudrais savoir, parce que on a vu un monsieur porté comme un bébé dans le film qui a été projeté, et vous vous êtes reconnu dans ce film-là, et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous attend à Moucherie. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau-là, où on vous transporte comme un bébé? Est-ce que vous êtes arrivé malade? Quand on vous a arrêté, est-ce que vous avez contracté une maladie lors de votre détention? Les deux. Les deux. Quand quelqu'un, sans nourriture, derrière lui, c'est quoi? C'est la maladie. Il était à la soif, il y a la soif,
Derrière la soif, il y a la maladie. Et puis la chaleur, une cellule qui prend, par exemple, 8 personnes, si tu ajoutes 1, devient 9, dans la nuit, c'est sûr qu'il y aura un ou deux morts de la difficulté de refuser de même. Sur ces deux-là, ça, à part la pensée à la famille, les enfants, c'est difficile aussi. Toutes ces causes-là qui me poussent d'être comme un enfant, sauf les bonnets blancs. Je suis tout mourant. Et cette physique, cette torture physique ou morale, vous avez vu dans les écrans une image tellement maigrie à l'horaire. Elle a fait le tour de l'Afrique, comme je dis, l'Afrique ou même en Europe. Jusqu'à présent, c'est la fête d'MPS. Chaque fois qu'on ouvre la radio, c'est ma photo qui vient aux premières rangées. D'accord. Est-ce que pendant tout le temps que vous étiez en prison, avez-vous bénéficié des soins médicaux? Pas de soins. Je n'ai pas trouvé même pas un comprimé, ce qu'on appelle comprimé, depuis 7 mois que je suis dans la cellule. Le soleil, là, je n'ai pas trouvé encore. Sans voir le soleil. Moi, je suis musulman, j'ai pris, j'appelle les gardes là, où est la direction de là où les gens ont pris. Il dit, ah, laissez mourir, qu'est-ce que tu vas faire avec la prière et tout ça? Ce sont des conneries, ils te gueulent. Et puis, on t'était. D'accord. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez expliqué comment est-ce qu'on vous a arrêté. Vous parlez d'un sous-préfet qui vous a suivi jusqu'à chez vous. Et le sous-préfet, vous dites que c'est un responsable de la DDS. Vous pouvez nous dire qui est ce sous-préfet? Vous le connaissez de nom? Je le connais. Il s'appelle Tahir Mourno. Tahir comment, s'il Mourno. Vous plaît? Mourno. Tahir Mourno. Il est décédé à cause de ces querelles-là. Et il était en même temps responsable de la DDS? Comment non. Le saviez-vous? Les DDS qui sont envoyés par Monsieur Aïchel Atou, monsieur, comment ça s'appelle là, qui est au village, ils sont sous les ordres des sous-préfets. Donc, il n'est pas de la DDS, mais les agents des DDS sont sous les ordres des sous-préfets. Le sous-préfet m'a suivi. Je suis parti à mon village, qui se trouve 7 km de la ville d'Iriba. Et puis, ils m'ont suivi, ils sont venus à m'arracher devant mes enfants, de la famille et d'autres. On m'a conduit à Iba, j'étais dans la prison comme les animaux. Et comment vous avez fait pour vous retrouver arrêté à Iriba, vous vous retrouvez à Djamena dans les locaux? Comment ça s'est passé? Vous êtes arrêté à Iriba. Ensuite, vous vous êtes retrouvé pendant 7 mois dans les locaux à Djamena. Comment ça s'est passé? Voilà, on m'a conduit à Iriba dans une Toyota et puis on m'a mis dans la prison d'Iriba. Dans la prison, il y a des jeunes qui sont un peu robustes et des commerçants qui sont pleins dedans. Et là, l'armée, la DDS, police, tout le monde cherche des gens, par exemple des jeunes, des commerçants et des enseignants ou d'autres
qui connaissent quelque chose. Ramasser les jeunes, par exemple les bergers, c'est pour utiliser dans l'armée, chez eux. Les commerçants pour vider leurs magasins. Ceux qui connaissent écrire, lire, pour ne pas rester en contact avec la rébellion. Donc j'ai fait 3 nuits dans la prison d'Iriba. J'ai trouvé des jeunes garçons. 3e jour dans la soirée, ils sont venus nous chercher, amener N'Djamena dans la soirée. On s'est présenté devant le bureau d'Abakar Tarbo. Abakar Tarbo m'a demandé pourquoi on t'a arrêté. J'ai dit, je ne connais pas. Pourquoi il ne te connaît pas? Il y en a beaucoup derrière toi. Pourquoi on t'a amené ici? J'ai dit, je ne connais pas. Il a donné un signal à son gens de DDS. On m'a amené dans une cellule tellement étroite. J'ai mis 2-3 heures, puis on m'a appelé encore. Je suis parti chez lui. Il m'a dit, il faut dire la vérité, sinon tu vas voir. Il dit, ce que je ne connais pas là, comment je peux te dire? Là, il est un peu en colère. Il a donné le même signal avec sa main. On m'a conduit dans la prison qui se trouve à la piscine. Entrée par l'escalier, il a ouvert la 3e chambre, cellule-là. Il m'a poussé comme un chiffon, comme ça. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup encore dedans, 4, 5, 6 même, j'ai reconnu 3 parmi ceux qui sont dedans. J'ai reconnu Djibi Haré, Isaac Possi, Feki Ismaël Sabon, les 3 sont là. Tous les 3 sont des commerçants. On s'est salué et puis on est entré. Supporter les difficultés, le châtiment jusqu'à 7 mois. 7 mois où il n'y a rien que notre causerie, nous les quatre. Pas de manger, pas de que, pas de quoi. C'est ça qui a causé les maladies. Il y a une maladie causée par le riz sec. Le riz sans sucre, sans sel. C'est en petite quantité encore. Ça ne suffit pas. Un machin de l'eau dans 24 heures. De l'eau dans 24 heures. Litre, un seul litre dans 24 heures. Si c'est versé, ou bien, je ne sais pas, ça ne suffit pas. C'est à toi de débrouiller, rester avec la soif jusqu'à l'air. Il nous amène le riz et le lait dans la soirée. Et quand ils partent, ils ferment la porte. Le lendemain, dans la soirée aussi. C'est ça qui cause les maladies. Et vous avez la photo que vous avez vue ici. Les autres sont couverts par les boubous, par les quoi sont des squelettes. Ce ne sont pas des corps. Les squelettes vivants, tous comme moi. Et à la sortie de la gendarmerie, puis on nous a conduit, après 7 mois, on nous a conduit, 8 mois, à la gendarmerie. Ils ont transformé les deux Isaka et Djibi dans une autre cellule. J'ai resté avec Petit Sabon. Petit Sabon est décédé devant moi. Le 2, à la sortie, on n'a pas trouvé leurs traces. Donc c'est là de dire qu'ils sont morts aussi. D'accord. Vous avez anticipé sur ma question. Je voulais savoir quelles étaient vos conditions de détention. Vous avez décrit. Avez-vous vu beaucoup de morts pendant votre détention, pendant beaucoup, les 7 mois? Beaucoup, dedans, dehors, n'importe où. Des gens que vous connaissez?
Ces gens-là, je les connais, quelques-uns connaissent par nom, quelques-uns je ne connais pas par le mot. Il y a des batailles dans Iriba même, tu vas trouver les hommes tombés comme des mouches. En dehors de des repas qui n'étaient pas servis ou alors qui étaient servis en quantité insuffisante, est-ce que vous avez fait l'objet de torture physique? Torture physique, non. Il faut dire la vérité toujours. Et vous avez vu des gens torturés à la DDS? À la minuit, ils viennent appeler des droits, ils les font sortir, amener chez eux, ils vont torturer. Vient là avec du sang et de plaies. À la sortie même, les plaies qui ont jusqu'à présent, les vivants là, tu vas trouver les plaies là. Au dos, les bras, les ventres, tout ça. Ils les torturent. Sévèrement, dans la deuxième journée, troisième, continuez. Revenons à Iriba. Oui. La période à laquelle on vous a arrêté, quel était le climat qui prévalait à Iriba? Quel était le climat? Climat de... Qu'est-ce qui se passait dans la ville de Iriba? Oui, on ne peut pas dire. Chacun pense. Demain là, c'est mon tour, qu'ils viennent m'arrêter. Il y a là toujours la crainte. Et même le papa ne peut pas dire la vérité. Ça, ce n'est pas à Iriba, dans d'autres machins. Dehors, n'importe où, le même, le papa ne peut pas dire la vérité à son fils. Le fils a peur de son enfant, son enfant, propre enfant, de ne pas dire ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Et cela est dû à quoi? C'est la DDS. La DDS qui vient ramasser, s'il dit un mot. Ils ont ordonné par leur propre chef qui vient faire, c'est laisser faire. Tout ce qu'ils veulent. Ils les tuent, ils les torturent, les gens brûlés vivants, les gens dans l'eau, brûlés, comment ça s'appelle, enfermés, vivants. C'est des choses qu'on ne peut pas. C'est la gorge me serre. Si vous me rappelez quand même des choses passées, je ne peux rien dire. Vous avez besoin d'eau? Monsieur Abakar, vous avez besoin de boire de l'eau? Là maintenant, il y a de l'eau devant vous. Oui, je reviens encore sur Iriba. Vous dites qu'ils ont ordonné l'arrestation des gens. C'est qui a ordonné l'arrestation des gens? C'est Hissène Abré qui a donné l'ordre de torturer, de tuer, d'égorger, de dépouiller. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, c'est le président qui vous parle. Je voudrais que vous parliez dans le micro. Si vous voulez être entendu, il faut que vous puissiez parler dans le micro. Vous m'entendez et vous comprenez? J'entends. Vous comprenez? Répète. J'ai dit pour qu'on puisse bien vous entendre. Parce que ce que vous dites là, tout est enregistré pour les besoins ultérieurs du jugement. Donc, on souhaiterait, la Chambre voudrait que vous puissiez parler dans le micro. Autant vous voulez entendre ce que les gens disent, les gens voudraient aussi entendre ce que vous dites. Oui.
Oui, monsieur Abakar, tournez-vous vers le micro. Le président demande que vous parliez dans le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. D'accord, d'accord. Voilà. Comment? Oui, je veux que le débat finisse d'abord, je vais le tourner. D'accord. Vous avez... vous dites que c'est monsieur Hissène Habré qui a donné l'ordre d'arrêter. Comment le savez-vous? Je suis chef de la famille. J'ai mes enfants qui sont sous mes ordres. Est-ce qu'ils vont traiter quelque chose sans mes ordres? Est-ce qu'ils vont travailler ailleurs sans mes ordres? La famille, c'est le chef qui donne l'ordre de faire telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas Hissène Habré lui-même. Dans toutes les familles, dans la société même, il y a un chef et les autres le suivent. Le travail fait, c'est le chef, trois quarts de ce travail, ça vient des chefs, de leur chef, de leur papa, de leur tuteur. D'abord, les gens vont exécuter les choses. Ça, c'est connu. Ok. Est-ce qu'on vous a dit, au niveau de la DDS, quel est le réel motif de votre arrestation? Non, ça, je n'ai rien entendu. On m'a dit pourquoi on t'a arrêté, pourquoi on t'a arrêté, là, ça, je connais, mais personnellement, un agent de DDS me dit ça. Moi, je ne le connais pas même. C'est par les habits, je me suis dit, à peu près 600 km de N'Djamena, dans la brousse. Pourquoi ils m'ont suivi jusqu'à là-bas, je ne sais pas exactement. J'ai laissé les enfants dans la classe. On ne vous a jamais dit pourquoi vous avez été arrêté? Ça, je ne sais pas. C'est ce que je dis à Bakar Torbo. C'est son père qui connaît. Et pendant votre détention, on ne vous a pas présenté à un juge? Non, non, non. Pas non, du tout? Pas du tout, pas du tout. C'est aujourd'hui. Demain, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur Ababakar, oui. L'autre jour, vous ne sembliez pas connaître le motif de votre arrestation. Mais si je m'en réfère aux réponses que vous venez de donner à ma consoeur, cette arrestation serait liée aux événements du 1er avril 89. Parce que vous parlez de rébellion, il fallait arrêter les jeunes, il fallait arrêter les intellectuels, c'est vous qui le dites. Donc, pouvez-vous dire que votre arrestation est en rapport avec la rébellion ou ce qui est convenu d'appeler les événements du 1er avril 89? Peut-être qui pense des choses pareilles, mais comme Abakar a dit, quelle relation avec Monsieur Abakar, il faut attendre un instant, on va essayer de régler peut-être le micro qu'on vous a donné, oui. Parce qu'on ne vous entend pas. Oui. D'accord. Essayez. Ça, je ne sais pas. Je ne connais rien de cette question. Quelle relation, par exemple? J'ai dit, j'ai nié et je ne connais pas. J'ai dit ça devant Abakar et d'autres qui nous visitent dans la cellule chaque fois, ou bien par semaine, deux semaines, trois semaines, nous demander. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait amicalement? Officiellement, non, je ne connais pas. Oui. Le préfet, ceux qui vous ont arrêté étaient accompagnés du préfet. Le sous-préfet. Oui, étaient accompagnés du préfet. Non. Le préfet est chez lui. Le sous-préfet. Oui. Donc le sous-préfet savait que vous étiez enseignant, que vous n'étiez pas un combattant. Il savait que vous aviez en charge l'enseignement d'élèves, de jeunes. Le responsable, comme j'ai dit, le sous-préfet responsable de la sous-préfecture, comment il ne connaît pas ses fonctionnaires dans la sous-préfecture? Il me connaît?
Avez-vous connaissance d'autres enseignants qui ont été arrêtés? D'autres enseignants, puisque vous étiez enseignant au niveau de votre école. Avez-vous connaissance d'autres arrestations d'enseignants? Dans la cellule de la piscine, j'ai rencontré trois. Un surveillant, un directeur d'école, et puis un enseignant, les trois à la gendarmerie, c'est pas à la piscine, à la gendarmerie, les trois là sont là avec nous jusqu'à l'ouverture des portes de la DDS. À l'arrivée d'un DMPS, comme j'ai dit, je remercie merci à Dieu et merci à MPS de me sauver dans les délais qui me séparent de la mort 3 ou 4 jours seulement. Pour revenir à ces morts, vous avez dit l'autre jour que quand une personne décédée, vous frappiez à la porte pour demander qu'on vienne prendre la personne décédée. Est-ce que vous aviez déclaré la dernière fois? Non, c'est la première fois que je déclare ça, ou bien dans mon dossier, j'ai écrit et j'ai déclaré devant M. le Président hier, ou bien c'est le jeudi. À part que ça, non. Donc il arrivait que des personnes décèdent la nuit et que vous demandiez à ce que cette personne soit sortie de la cellule? Ils vont faire sortir 2 ou 3, amener chez eux, n'est pas loin de nous. Ils les torturent sauvagement. Ils les amènent enseignants, tous enseignants. Ils les laissent avec nous. Et si la personne décède pendant la nuit, est-ce qu'on vient récupérer la personne ou vous passiez la nuit avec la personne décédée? La personne qui est morte la nuit. Oui, ils viennent. Non, on frappe la porte d'abord, oui. la porte de la cellule. Quand il entend le coup là, il vient. Qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, il y a un mort. Si un des maires, et tu restes la place, rester tranquillement, ça c'est le souhait de quelques-uns. C'est très serré. Et il entre, il va mettre son pied là sur la poitrine de la mort là, et puis il appuie. Monsieur Abakar, je vais vous répéter qu'on ne vous entend pas. Voilà. Bon, il vient, quand il vient, il prend par le pied et puis il court comme d'autres cadavres. Des animaux sauvages ou domestiques, il le fait sortir. Il paraît, ce qu'on a entendu, ils mettent un sac par les pieds, un sac par devant, et puis j'étais dans la Toyota et on amène dans un quartier qui s'appelait Farsha. Il y a une fosse commune, il le jette durant 2, 3, 4 mois. Le trou sera rempli, les 4 plats bien remplis. Et puis il creuse un autre trou à côté. Durant 12 mois, c'est ça la situation. Oui, c'est ma dernière question. Permettez-moi de revenir sur cette image dont parlait Maître Jacqueline, cette image qui a fait le tour du monde, qui a ému tout le monde. Quand les portes se sont ouvertes, quand on a annoncé le MPS et que vous saviez que vous alliez être libéré, est-ce que d'abord vous étiez conscient de votre situation compte tenu de l'image qu'on a vue? Et si vous aviez conscience, qu'avez-vous ressenti à ce moment de savoir que peut-être vous alliez échapper à la mort? J'ai dit, par exemple, cette maladie attaquée par les pieds, le genou, le ventre, le visage. Chaque étape, il va faire une semaine. Puis une semaine,
genou une semaine, ventre une semaine, visage une semaine. Après la dernière semaine, septième jour, je suis sûr, certain que tu vas mourir ce jour. On a compté beaucoup de la même façon. Les conseils ont terminé. Bonjour Monsieur Abakar, vous m'entendez bien ? Bonjour. Vous avez expliqué à ma consœur Maître Moudeina que il y a eu en 89 des représailles contre les Agawa à Iriba. Et vous avez expliqué qu'il y avait d'abord 2 à 3 personnes par jour, des prisonniers, qui étaient amenés à N'Djamena. Est-ce correct ? Oui. Et vous avez expliqué que par après, que devant l'affluence des prisonniers transférés à N'Djamena, que M. Issenabré avait donné l'ordre de ne plus amener les prisonniers à N'Djamena et de les exécuter. Est-ce correct ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé concrètement ? C'est bien vrai. Si vous me demandez des choses, je vais dire encore de plus. Au début de la sortie, j'étais là, à Iriba toujours. Les gens qu'on amène de la montagne, là où se déroule la guerre, s'appelait Bamessi, à la frontière Tchadon-Soudanais. Donc, les cassés, les blessés, les malades, toujours, j'étais à Iriba, les Toyota amènent, s'ils atteignent nombre un peu considérable, il les téléphone, l'avion vient ramasser et amener en Djamena soigner. Ça, c'est le début que je n'étais pas arrêté. Ça durait des mois, la mort est devenue exagérée. Et va et vient de l'avion, c'est devenu encore continuel. Là, M. Issenabré a refusé. C'est lui qui amène un prisonnier ici en Djamena, c'est lui qui va le faire nourrir. Donc à ce moment, quand il amène à Iriba, il y a les grottes à côté de nous. C'est une région montagneuse. On les tue, ceux qui viennent de là-bas, ou bien collectés de la brousse et soupçonnés. On les tue. Dans la nuit, ils vont jeter dans les grottes. Il y a une montagne derrière l'aviation. Là, dans comme des années là, il n'y a que des os, des bacs comme ça, et d'autres là, tu vas trouver même, je dis aujourd'hui même, quand tu t'en vas, tu vas trouver quelque chose. Et il y a un grand wadi d'Abosson, on dit, très long. Il y a entouré, à côté là, il y a les montagnes, il y a des grottes aussi. Ils vont jeter les connus, les hommes connus, ils vont jeter dans ces grottes. Voilà, c'est réel. Ce que j'ai vu, et ce que j'ai entendu. Iriba, je ne vous cache rien. Et vous avez également déclaré dans votre déposition qu'on a fait assister les habitants à des mises à mort de personnes arrêtées pour dissuader. Est-ce que vous avez assisté à cela ? Les hommes morts par ? Pour dissuader, ils ont fait assister les habitants à la mise à mort des personnes arrêtées par immersion. Jamais. Je n'ai pas assisté devant eux. Vous n'avez pas assisté, mais vous avez entendu parler. Entendu, et c'est réel.
entendu, c'est réel. Je suis là toujours à côté de leur prison. L'école est située à côté de la prison de Riba. Tout ce qui se passe, on le voit, on l'attend, et on a des gardes encore qui travaillent dedans même. Je vous remercie, monsieur Abakar. Autre intervenant, au niveau des parties civiles. Ok. Bien. Est-ce que monsieur Abakar, vous pouvez préciser les personnes, vous dites, vous avez tout affirmé que on tuait des personnes et on les jetait dans les grottes. Yeah. Oui. C'est par oui dire ou est-ce que personnellement...
vous voyez bien que j'ai parlé en français facile et que monsieur le témoin, parti civil, comprend parfaitement la question au point de savoir ce qui est dans le sujet et ce qui n'y est pas. Et n'oubliez pas que je parle à un enseignant, c'est un intellectuel. Je continue et je crois que là je suis toujours dans le sujet. C'est vous qui avez déclaré que ceux qui sont arrêtés, interrogés et sur qui pèsent des charges sont transférés à N'Djamena pour y être emprisonnés. Les autres, point, vous ne terminez pas la phrase. Est-ce que vous voulez dire que ces autres qui sont interrogés et sur qui il n'y a aucune charge à retenir sont libérés? Voilà la question. Presque la majorité est mort. Je peux continuer, il ne répondra pas. Il a pourtant répondu à toutes les questions du parquet, de la chambre et des parties civiles. Mais je continue. Ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. D'accord. Je continue, monsieur le président. Vous avez dit également qu'à un moment donné, les arrestations étaient tellement massives que le président Abré a donné l'ordre de ne plus lui transférer des prisonniers à N'Djamena, mais qu'il fallait les tuer sur place, là où ils ont été arrêtés. Malgré tout, vous vous avez été arrêté et transféré à N'Djamena. Est-ce à dire que ceux qui procédaient à vos arrestations avaient la possibilité de passer outre les ordres du président Abré, si c'est lui qui les lui donnait? Bien. Au début, il envoie le prisonnier collecté dans le territoire pour aller à la piscine outillée, mais avec le temps, lorsque ceux qui sont collectés à Ménagéména sont devenus nombreux et ils ne peuvent pas les soigner, c'est à ce moment d'abord qu'il a dit n'amenez pas, il faut le tuer. Et il tue, il jette dans les grottes, il jette dans les wadis, durant les 7 mois ou 8 mois. Avant, il les amène à N'Djamena, il les soigne. Voilà. Oui, mais malgré cet ordre dont vous faites état et que nous vérifierons, vous avez été arrêté et transféré à N'Djamena. Est-ce à dire que ceux qui vous ont arrêté avaient la possibilité de ne pas respecter l'ordre donné par le président de la République de vous tuer sur place? J'ai dit un mot, si vous avez bien saisi ou non. Dans le moment où on collecte, on arrête. Entre arrêter, tuer, collecter, il y a le destin. Il y a le destin. Il y a la chance. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui se sauvent, il y en a qui partent. Et au début, il ne tue pas. Au dernier temps que les gens sont devenus nombreux, c'est à ce moment qu'il a dit de tuer. Mais j'ai dit, c'est la chance, il y a le destin qui les défend. Merci. Monsieur Abakar, vous aviez quel âge en 1989? En 1989, actuellement j'ai 65 ans. Il faut calculer. Vous aviez quel âge? Je suis né en 1948, calculez toi-même. Merci, je ferai le calcul. Merci toi aussi. Bon, vous avez dit, faites-moi le calcul, cher confrère. Vas-y. 39 ans.
Vous deviez avoir 39 à 40 ans à l'époque. Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est vous, pour vous. Oui, 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 moi j'en ai besoin. Bah. J'en ai besoin. Oui. Vous avez dit que les jeunes oui. se sentant menacés par la décision prise de ne plus transférer les prisonniers en N'Djamena et de les tuer sur place, avaient pris la décision de rejoindre la rébellion dirigé par Idriss Déby. Vous le confirmez? Ça, je vous dis, c'est entendu. Vous avez entendu? Entendu. Je vous ai posé la question simplement parce que ça, c'est consigné dans le procès-verbal et vous, vous ne vous souvenez même pas avoir été entendu en 2013. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous demander si vous confirmez ce que je vois sur ce procès-verbal. Bon, vous ne l'avez pas dit, mais vous en avez entendu parler. Entendu parler et vu par les personnes sûres. De tels propos vous sont prêtés par le procès-verbal d'audition que vous avez signé. Et le procès-verbal que vous m'amenez ici, là même, je ne connais pas rien dedans. Mais vous avez reconnu la paternité de la signature. La signature qui est indiquée comme la vôtre. Je ne sais pas, ça vient d'où, je ne connais pas. Je vous l'ai montré et vous avez dit que c'est votre signature. J'ai dit. Oui. Il y a ma signature. Oui. Mais si c'est pas qui, ce n'est pas moi qui a signé. C'est signé par qui, je ne sais pas. Ah bon, ah. D'accord. D'accord. Il y a les questions qui sortent de ce dossier-là. Ce que je n'ai pas entendu. Merci. J'ai compris. J'ai parfaitement bien compris. D'accord. Alors maintenant, revenons à la date du 21 décembre 1988. Cette date vous dit quelque chose? Si ce n'est pas 88, c'est 89 bon, peut-être. Bon, ça, je ne suis pas un homme politicien. Ben, d'accord. Pas de politique avant tout. Et je suis tellement éloigné de là où il y a les policiers, la gendarmerie, et puis les journalistes et d'autres. Là, je suis loin de. Donc, je n'entends pas, je ne connais rien dedans. Oui, je voudrais être plus précis sur cette date. Et là, je souhaiterais vraiment qu'on en revienne un peu aux circonstances de votre arrestation. Parce que vous dites dans le procès-verbal que le 21 décembre 1988, alors que je me rendais dans un village non loin d'Iriba pour voir ma famille, 90. J'ai été suivi par le sous-préfet, le responsable de la DDS et 4 militaires. J'ai été arrêté et transféré à N'Djamena avec 4 autres personnes. Vous avez été arrêté exactement où? Exactement. J'habite à Eriba. C'est une sous-préfecture. J'ai ma maison. Au début de la rentrée, donc, ou bien pendant les grandes vacances, pendant la saison pluvieuse, j'ai un village qui s'éloigne de Eriba, 7 km. J'allais là-bas avec comme mes parents, ils ont des éleveurs, j'ai les animaux, soit les chameaux, le mouton, je passe mes vacances là-bas. Donc au début, 7 km n'est pas loin, j'ai une bicyclette, des fois, un cheval, des fois, j'ai fait toutes les nécessaires, préparation, correction, rester les cours, donner les cours. J'ai bien le matin, j'ai fait mon travail. Et puis le soir, je m'en vais au village avec mes affaires. C'était le 21 avril 1990. Je suis parti enseigner le samedi, notamment le samedi soir. J'ai enseigné mes élèves. Et puis, je me suis retourné chez moi, à mon village. C'est que j'ai appelé Feki Ismail Sabon,
et Isaac Kossi, Djibi, Harry, les trois sont arrêtés le vendredi. Le samedi, c'est mon tour. Ils ont calculé, bien calculé. Mais je ne savais pas. Je suis parti. Dans la nuit, sous-préfet avec ces gens-là, ils sont venus m'arracher devant ma famille, mes enfants, mes parents. Puis, ils ont laissé le véhicule à 1 km seulement. C'est la route qui mène de Iriba à Tine. Donc, ils sont venus à pied. Et quelqu'un m'a appelé à Bakar Abakar. Les sous-préfets et les gens de DDS sont restés à la porte. Les deux là, avec Bon, vous avez confirmé que vous avez été arrêté à la maison. Ils sont rentrés, appelés. Je suis sorti. Je suis satisfait. Je l'ai salué. Au moment où, qu'est-ce qu'il y a à ce moment? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es venu à ce moment? Les deux éléments sont entourés avec leurs armes. Ils ont dit, les sous-préfets t'appellent, allez. Je sors, je trouve à la porte le sous-préfet et le responsable de DDS. Les deux sont là. Monsieur le témoin, nous avons déjà enregistré ce témoignage. La question qui vous a été posée par l'avocat, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'avocat qui vous a posé une question. Votre réponse le satisfait. S'il vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Ça signifie qu'il ne veut plus que vous continuiez. Parce que de toute façon, ce que vous avez, vous êtes en train de dire en sus, c'est déjà conseillé dans le procès verbal et la Chambre a la teneur de cela. Donc, si vous dites d'arrêter à ce moment précis, vous arrêtez pour le lycée, continuez à vous poser des questions. OK? Voilà. Monsieur le Président, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste d'avoir le cœur net sur l'endroit exact où il a été arrêté. Je continue. Ça, c'est deuxième fois. C'est fini, vous avez déjà répondu. Laissez-moi vous poser la question, d'accord. Elle va arriver. Parlant des cas de décès dans les cellules, vous avez déclaré que l'évacuation des personnes décédées, des corps, vous permettait d'avoir un peu d'air. Moi, j'ai entendu des victimes déclarer ici que c'est sur les corps de ces personnes décédées qu'ils trouvaient de la... Oui. Inanimés, laissés dans les cellules, leur donnaient de l'air, de la fraîcheur. Et pour vous, vous dites que c'est cette évacuation qui vous permettait d'avoir un peu d'air. Je suis un peu contrasté en face de ces deux déclarations. Est-ce que vous avez une explication à nous donner? Bon, ça vous savez, il y a beaucoup de cellules en Djamena, beaucoup. Ce n'est pas la DDS. D'autres, dans la maison de M. Hissène Habré même, il y en a combien de cellules? Et MB que vous avez dit hier là, il y a combien de cellules? À la gendarmerie, combien? Il faut les garder là-bas. Ça, c'est différent. Donc, chez eux, mais chez moi, ce que je vais dire, c'est... C'est bon. Je comprends que la question est un peu difficile. Je vais continuer. Je voudrais maintenant en venir au film qui a été diffusé ici, et dont vous avez même demandé la rediffusion ce matin pour vous revoir vous-même sur ce film-là. Vous êtes sorti de prison le 1er décembre 1990. Oui. Quand est-ce que ce film-là a été enregistré? Je répète, merci Dieu, merci à MPS qui nous a sauvés. C'est pas moi-même, tous les Tchadiens. C'est lorsque les portes sont ouvertes,
y en a qui peuvent sortir tout seuls de la cellule. Il y a d'autres qui vont rester dedans. Il y en a qui sont tombés même. Il y a des camions qui sont venus nous chercher, amener, je crois qu'à la tribune. Et puis, je crois que j'espère que Zakaria Afodol était là. Les journalistes sont venus nombreux. Les citadins sont nombreux à nous entourer. C'est à la sortie exactement. C'est pas, on n'est pas militant d'abord, ils sont venus. Les boubous blancs, le bonnet blanc que vous avez vu sur le corps de ces gens qui sont venus hier là, à la sortie, on t'amène à la maison chez tes parents. Donc, ils vont chercher un jalabie, vont t'habiller. S'il y a un tablier ou bonnet, on met sur ta tête. Parce que pour que tu prends un peu le machin avant d'amener à la, au film, au cinéma, tout ça là. Eh bien, donc si je vous suis bien et si je vous comprends, ce film a été enregistré le 1er décembre 1990. Oui. Très bien. Quelle est la structure qui a organisé la cérémonie au cours de laquelle cet événement a été filmé? C'est quelle structure? Vous m'avez vu les photos d'hier là, non? Je ne parle pas de photos. Photos, à ce moment, je ne comprends pas qui va prendre la charge, de qui vit le film, qui est le responsable, qui est quoi? Vous ne savez pas, d'accord. Ouh, je suis, oui, je suis en train de mourir. Je continue. Quand vous avez repris vos esprits, quand vous avez discuté de cette affaire avec plusieurs personnes, des ONG, des avocats, des voisins, des parents, on ne vous a jamais expliqué à quelle occasion vous avez été filmé? Non. Est-ce que ce n'est pas la Commission nationale d'enquête qui a organisé cet événement au cours duquel vous avez été filmé, porté à bout de bras? N'a rien dit, non. Non. Très bien. Je continue. Le jeudi dernier, en faisant votre déposition ici, vous avez traité le président Abré de bourreau. N'est-ce pas? Mm-hmm. Vous l'avez aussi traité de criminel. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Est-ce que vous ne trouvez pas irrévérencieux, voire même insultant, de traiter votre ancien chef d'État de bourreau et de criminel alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence? Bien. Il faut qu'il nous dise la cause des 40 000 morts. D'abord, je vous réponds. La cause, quelle cause? Pourquoi? S'il m'a répondu, je vais vous répondre. C'est la cause des 40 000 morts que la Chambre est en train de chercher. On ne l'a pas encore trouvée. Et vous utilisez des mots, des propos injurieux, insultants contre cette personne qui fut votre chef d'État. Qu'est-ce qui vous donne la liberté de le traiter de cette façon, de surcroît devant une juridiction internationale? La mort de ces gens, la mort de ces 40 000, qui m'ordonne de dire tout ce que j'ai vu, mais je n'ai pas dit tout, Ce que vous avez dit comme est déjà assez devant, grave. Comme je suis devant le président, donc je ne peux pas tout dire. Ce que j'ai dit, vous allez le juger pour art. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui jugez. Oui, M. le Président. Non, justement, c'est pour lui rappeler que s'il est devant cette chambre, c'est pour tout dire. Quand il me dit devant le président, je ne peux pas tout dire, moi, je dirais que j'en tombe des nœuds.
parce que Monsieur Abakar Adoum, c'était votre droit et votre devoir en même temps de dire tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu. C'est parce que vous êtes une victime que peut-être vous n'avez pas eu à prêter serment, mais c'était de dire tout, tout ce que vous avez connu, tant au niveau de la prison qu'en dehors de la prison. Maintenant, si vous dites que vous n'avez pas tout dit, peut-être faudrait-il qu'on recommence à zéro. Parce que c'était votre devoir de dire tout ce que vous avez su, tout ce que vous avez connu. Pourquoi vous dites aujourd'hui que vous ne savez pas, vous n'avez pas tout dit? Il y a des choses à dire en plus. Bien, maître, on peut continuer. Vous voyez, les avocats derrière moi. L'avocat qui est derrière vous vous pose juste des questions. En espérant que vos réponses contribueront à l'éclairage de la Chambre. Et c'est pour cette raison que je veux que vous répondiez à mes questions. Est-ce que vous ne trouvez pas irrévérencieux de traiter votre ancien chef d'État de la sorte, alors qu'il n'est pas jugé criminel? Il n'est pas un bourreau. Vous utilisez ces qualificatifs qui sont assez graves. Ne trouvez-vous pas cela assez irrévérencieux? Maître, oui. Il y a souvent certains commentaires qu'il faut éviter. Lorsque vous dites qu'il n'est pas criminel, c'est je vrai n'ai pas que fait de commentaires. Hein? Je n'ai pas fait de commentaires. Ça, c'est des commentaires. Ce ne sont pas des questions. Je n'ai pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur Abakar. Oui. Si je dis que Monsieur Abré n'est pas encore jugé, c'est vrai. C'est pas un commentaire. Oui. Mais je lui pose la question de savoir, est-ce qu'il ne trouve pas cette attitude assez irrévérencieuse, c'est tout. D'accord. Je n'ai pas fait de commentaire. D'accord. Il peut répondre comme il peut ne pas répondre. Bien. Est-ce qu'il est président actuellement? Bon, d'accord. Réponds-moi. Il n'est pas président. Est-ce qu'il est président actuellement? Qu'est-ce que je peux dire? Il n'est pas en exercice. Un citoyen simple comme moi. Faut les savoir. D'accord. Ouais. D'accord. Je garderai mon commentaire sur la question. Mais pour en terminer avec lui, je vais revenir aux événements qui ont été filmés pour vous dire que la Commission nationale a été créée le 29 décembre 1990. Vous vous êtes sorti de prison le 1er décembre 1990. La commission a commencé ses travaux avec 2 mois de retard. C'est le 1er mars 1991 qu'elle a commencé les travaux. Et cette cérémonie a été filmée, organisée d'abord, filmée après, par la commission nationale. Est-ce que vous maintenez que le film a été pris le 1er décembre 1990? Ça, là, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mm-hmm. Monsieur le Président, je vous remercie. J'en ai fini avec lui. Bonjour, Monsieur Abakar. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Bonjour. De la Chambre. Bonjour, Monsieur Abakar. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Maître Balal. C'est mon nom. Mon prénom, c'est Mounir. Maître Mounir Balal. Je suis un des avocats qui assure la défense de M. Hissène Abré. Voilà. M. Abakar, ma question va être très simple, très courte, et j'attends donc une réponse également très courte de votre part. Quelle a été la durée de votre détention? De quand à quand, si c'est possible? Très bien.
du 21, samedi 21 avril 1990. Ça, c'est l'arrestation. D'accord. La sortie, c'est l'arrivée des MPS 1990, l'année prochaine. D'accord. Donc, vous avez fait à peu près combien de temps en prison? Oui, 7 mois à la cellule. Et 8e mois, j'ai été à la gendarmerie. D'accord, très bien. Très bien. Parce que je vois dans votre déposition une date donc qui me semble erronée, c'est-à-dire fausse, parce que dans le procès verbal de déposition de partie civile qui vous concerne, lorsque vous avez été entendu par le juge, au courant du mois de décembre 2013, il est noté le 21 décembre 1988, alors que je me rendais dans un village non loin d'Iriba pour voir ma famille, j'ai été suivi par le sous-préfet, etc., les responsables ADDS qui ont procédé à mon arrestation. Donc cette date est erronée. Elle est fausse. Et depuis l'arrivée de MPS, aujourd'hui, c'est-à-dire le premier 25 ans, et peut-être que c'est une erreur, les erreurs sont humaines. D'accord. Vous avez précisé qu'à l'occasion de votre détention, la porte de la cellule où vous étiez détenu comportait un certain nombre de trous d'aération. Des trous d'aération. Il y en avait combien? Vous vous en souvenez? Vous l'avez précisé. La porte? Oui. Nous étions donc mis à la prison dite MB, dont la cellule était... Ce n'est pas MB, c'est la piscine. C'était la piscine. Oui, parce que j'allais vous demander, en fait, c'est quoi cette prison MB? Effectivement, ça nous interpelle peut-être tous, parce que c'est la première fois qu'on voit ces initiales-là. En plus, ce sont mes initiales à moi. Ce que je connais, MB, c'est une cellule. C'est une? C'est une cellule. Ah, d'accord. Il y a des cellules dedans, et puis les châtiments, oui, les châtiments se déroulent dedans. Donc c'est une cellule... Déjà, les cellules, je crois. C'est une cellule qu'on appelle cellule MB, c'est ça? Mais je n'ai pas été, je n'ai pas visité, je ne connais pas. Ce que j'ai entendu, c'est MB. D'accord. Là, ce sont des trous, ce sont des arbres ou bien des cases, ça je ne sais pas. D'accord. Et il y avait combien de trous sur la porte? Chez nous, là-bas, les trous d'aération, oui. À la piscine. Oui, je crois que ça, si je n'ai pas oublié, 13 ou 13, oui. Oui, d'accord. Je suis à la cellule numéro 3. D'accord. Le jour où vous avez été arrêté, c'était quel jour de la semaine? C'était un samedi soir. D'accord. Dans la nuit de samedi. D'accord. Oui. Dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, oui. D'accord. D'accord. Vous confirmez que dans la région d'Iriba, où vous exerciez votre profession, d'où vous êtes natif, vous confirmez que dans cette région, la rébellion était effective et la situation de guerre était effective entre les forces gouvernementales et les forces d'Idriss Déby. La guerre existait véritablement. Il y avait une rébellion. À Iriba? Oui, dans la région. Dans l'est du pays, là, dans la région d'Iriba. Il y avait effectivement une rébellion armée? La rébellion, c'est tout chat. Ah, d'accord. Mais... Donc selon vous, la rébellion ne concernait pas seulement votre région à vous, elle concernait tout le Tchad. Tout. Le nord, le sud. Tous les Tchadiens. Dans le nord, par exemple, qui avait... Qui constituait les forces de la rébellion dans le nord, par exemple, si on prend le nord comme exemple. Le nord, là, après... Quoi, je suis venu en prison, là, je ne connais pas le nord, mais sud,
Non, il n'y aura pas beaucoup, mais sud, est, ouest, milliers, tous les rebelles. Pardon ? Ils sont là, rebelles partout. D'accord, les rebelles sont partout. Ils sont là partout. Aux quatre points cardinaux. Ils circulent avec leur. Ce sont des qui est partout. Les rebelles sont à la frontière du Soudan. D'accord. Et à la frontière aussi avec le Cameroun, dans le sud, etc., avec tous les pays limitrophes. Tous les pays à souffrir. D'accord. Beaucoup souffrent. D'accord. D'accord. Quand vous avez été arrêté puis interrogé par M. Abakar Torbo, oui. Il vous a donné le motif de votre arrestation. Il vous a dit pourquoi on vous arrêtait. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, c'est toi qui collectes l'argent de la rébellion des parents ici et tu envoies chez les rebelles. Chez les rebelles. J'ai nié ça. D'accord. Elle m'a demandé deux fois, trois fois. D'accord. Donc, il vous avait effectivement accusé d'être un agent de renseignement. Être secrétaire de rebelles à Iriba. D'être, pardon ? Secrétaire. Oui, secrétaire. Qui Oui, j'ai compris, secrétaire. De quoi ? De la rébellion. C'était pas le cas ? Ce n'était pas le cas. D'accord. Je suis tellement occupé. Si vous avez enseigné un jour, l'enseignement, c'est un travail continuel. Préparation, donner les cours, corriger, arriver à la maison, corriger, et encore préparation. Tu n'as pas de temps à aller traîner avec les gens qui sont en arbre dans la brousse. Non, je ne dis pas que vous étiez un rebelle armé. Je n'ai pas dit ça, ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai simplement posé la question de savoir si vous étiez un agent de renseignement. Non. Agent d'enseignant. Pas combattant. Non. C'est suffisant, combattant. Voilà, peut-être presque mon enfant, par manque de d'occupation, il a regagné la rébellion. Très jeune, il a quitté l'école, il est parti à la rébellion. Aujourd'hui, il est général dans l'armée, à présent. D'accord. Vous dites que vous étiez nourri d'une poignée de riz cru, c'est-à-dire le riz cru comme ça, là, qu'on trouve dans les sacs, comme ça. Sec et sale. Non, mais je veux dire, il n'était même pas un peu cuit. À l'eau chaude ou rien cru dedans. Comme ça? Rien dedans. On met dans le fût. Quand il mouille, on t'amène dans la pompe de main comme ça. Et puis tu vas rester les 24 heures. Donc, la vie, c'est difficile, carrément. D'accord. Donc il était mal cuit, le riz. Mouillé, j'ai dit. Mouillé seulement. Par la chaleur. D'accord. Monsieur Abakar, oui. Vous aviez demandé tout à l'heure à l'entame ce matin de votre déposition. Vous avez fait référence à l'élément visio, vous savez, qu'on avait vu jeudi là. Et vous avez dit il faut qu'on le repasse. Oui. Pourquoi vous voulez qu'on le repasse? Est-ce parce que vous n'êtes pas sûr que c'est de vous qu'il s'agit? Là où j'habite, c'est presque la brousse pendant les congés. Si je vois ma photo le 1er décembre, ça me plaît un peu. Ça vous plaît? Ça me plaît un peu. C'est-à-dire vous en... C'est-à-dire que je serais un peu content de voir cette photo. Hein? Vous en tirez donc un certain plaisir. Certain plaisir.
à la vue de cette photo. C'est une photo qui est jouissive pour vous? De devenir un bébé. Ah, vous êtes redevenu un bébé. Hein? Et vous passeriez comme ça votre temps si on vous donnait une copie de cet élément visio à le regarder pratiquement tous les jours, de temps en temps? Je n'ai pas essayé de faire ça. Mais ça vous plairait? Ça me plairait, oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur de la Cour, merci, Monsieur Abaka. Merci. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur Abakar. Je vais peut-être terminer par... On a suspendu la présentation. On revient toujours. Maître Abdoul Nying, donc, avocat commis, pour assurer la défense donc, de Monsieur le Président Abré. Alors, Monsieur Abakar. Oui. Je lis dans votre déposition. Que M. Hassan Diamous a été tué au combat. Exactement où? Oui. Exactement, je dis où? Là, ce que j'ai entendu. Ah, vous avez entendu. Non, je ne vais pas préciser. Oui, parce que je vous ai vu, je vous ai lu, du moins, vous dites que je n'ai pas assisté à non, cette je n'ai pas tuerie. Assisté. Je n'ai pas assisté. Ah, c'est pourquoi je vous ai posé cette question. D'accord. 600 kilomètres. D'accord. Donc, vous confirmez ce que vous dites dans votre déposition, que vous n'avez jamais subi physiquement des séances de torture. Physiquement, oui. Vous le confirmez. Donc. Vous le confirmez, oui. C'est oui ou non vous le, je vous confirme, confirmez. Je confirme. Très bien. Maintenant, je voudrais arriver un peu à la ration. Vous dites qu'on vous donnait une poignée de riz cru. Oui. Mais qui assurait la cuisson? Je ne connais pas. On nous amène dans la cellule. Voilà. On vous amène. On nous amène seulement. D'accord. Mais est-ce qu'il arrivait, ou bien s'il arrive qu'un détenu coopère, c'est-à-dire qu'il dise la vérité, s'il arrive, est-ce qu'il y a une amélioration possible de sa ration ou de son traitement? Pas des soins. Non, je dis, s'il arrive qu'un détenu coopère, qui dise la vérité, par exemple, est-ce qu'il s'ensuit, vous avez déjà vu ça, est-ce qu'il s'ensuit une amélioration de sa ration ou de son traitement? Oui ou non? Parce que c'est vous qui étiez là-bas. Non, non. Donc, vous confirmez que la ration, ce n'était pas une privation physique pour vous amener à dire quelque chose ou à obtenir des informations? C'est insuffisant, je peux dire insuffisant. Voilà, c'était insuffisant. Mmh. Voilà, merci Monsieur le Président. C'est la seule précision en droit que je voulais apporter. Bien, merci. Monsieur Abakar, vous êtes au terme donc de votre déposition. La Chambre vous remercie d'être venu et d'avoir contribué à cette manifestation de la vérité que nous recherchons tous. À présent, vous êtes libre. Vous pouvez vous retirer pour regagner N'Djamena. Voilà, merci. Peut-être par rapport à votre... Vous pouvez repartir peut-être par rapport à votre élément que vous avez souhaité, peut-être le procureur pourra faire quelque chose plus tard. Voilà, merci.
bien. Nous allons observer une pause de 15 minutes pour reprendre avec le témoin, Monsieur Omar Déby. Voilà. Donc, l'audience est suspendue pour 15 minutes.